Enfin, Gilles Grangier vient de faire un film style Nouvelle Vague, confiant les principaux rôles à trois inconnus. Maréchal des logis talons. Quartier Mat Fusillé, Jean-Marie Péja. Deuxième classe poule au ciel, Calin, troisième de ligne. Debout les morts, ripas au pas, on les arrête, les noms de classe. Trois nouveaux conscrits, bons pour le cinéma, au service des merveilleuses qualités de la jeunesse. Des réunions joyeuses. Je suis allé plus loin que Verdun et la Somme, moi. J'ai pas fait une guerre de feignants. Qui a fait une guerre de feignants? Tout ça a insulté ceux qui ont péni sous les obus, pendant que d'autres faisaient danser les mouquets. Fit gueule. Grévagneux. Vous allez tout de même pas comparer vos bains de boue à mes turqueries. Bains de boue. Non, des bains de boue. Des sages. De la sobriété. Oh, le bichogol. Hé, tenez-moi bien, les vieux gars. Du respect de l'ordre. Dites donc, vous vous adressez à qui? C'est pas bien clair. Mais je vous parle pas à vous. Vous voulez vous dire le mot vache, on sait jamais, mais je vous le dis, je vous parle pas. Quoi, c'est qui que tu racontes, dit Charogne? Pas Dieu. Du courage devant le danger. Hé, il faut les voir, les vieux gars. Vive la classe 17 et vive les escalbons. Hop là. Oh, tu vas perdre tes rognons, mon Blaise. Enfin, tout le dynamisme de la fleur de l'âge. Les vieux de la vieille, ils sont discrets. Bah Catherine, c'est moi que j'ai allongé en 1920, hein. Et pour qu'une fois, parce que moi, fallait pas m'en promettre. Moi, ma femme, elle est pas paltie, tutut, avec un chef de gorge. Modeste. De vieille charogne, de quoi que vous vantez. Ouais. La Catherine, c'est moi qui ai fêté ses 20 ans, à la moisson de 19. Et tendrement unis. Les vieux de la vieille. Un film gay, un film optimiste, un film à voir. Avec trois nouveaux visages du cinéma plein d'avenir, Jean Gabin, Noël Noël et Pierre Fresnay. Les vieux de la vieille, c'est le film le plus jeune de l'année.